Comme promis, voilà une vidéo avec mes trois véhicules. Voilà, mon nouveau bébé est revenu. Comme vous vous souvenez, le karma a fait que les policiers ont retrouvé le scooter qu'on m'avait volé. Tiens les mecs, vous l'avez dans les fesses, hein. Vous croyez que vous alliez me voler comme ça? On s'est battu, nous, pour nous acheter nos choses, nos scooters, nos voitures. On nous vole pas comme ça, on nous vole pas, on nous vole pas les mecs. D'où vous venez? D'où vous venez? On s'en fout, on est là nous. Tiens, voilà maintenant, il a été réparé, il est comme neuf. L'assurance a tout fait proprement, il est comme neuf. Souvenez-vous, je l'ai acheté en 2017. Juste avant qu'ils arrêtent la commercialisation des deux temps. J'en ai pris soin. On m'a tout changé dessus. La fourche. Les pads. Le phare. Un beau phare tout neuf. C'est vraiment mon petit bébé, hein. Ça, je vais mourir avec ça. Enfin, c'est... ma retraite, ça. Regardez comment ça chante. Treize mille au compteur, venez voir. Il n'y a pas mieux que les deux temps, il n'y a pas mieux. 13 000. On montre un peu là. Expliqué, bah, dans mon malheur, je m'étais dit je me rachète vite un scooter avant qu'il n'y en ait plus. Déjà que les 4 temps c'est fini chez Yamaha, donc j'avais chopé le dernier slider, le dernier Aerox, et puis bah j'en suis complètement satisfait. Ça reste un 50, ça reste lent. Mais franchement, moteur qui fait pas de bruit, c'est agréable comme tout. Hein. En plus, il a que 1000 km. J'en ai déjà mis 500 là, dans la tronche. Quand je l'ai acheté, il avait 500. Et vraiment, superbe occasion. Petit voyant en huile qui s'affiche, c'est normal vu que il se déclenche en fait automatiquement. Et comme la révision a été faite avant les 500, bah au final pour lui les 1000, on doit changer l'huile. C'est vraiment une belle bête aussi, hein, comme ça. Ce qui est bien, c'est vraiment qu'il fait plus moto, quoi. Il a vraiment une dégaine de moto avec son habillage Yamaha là. Vraie bombe, hein. Voilà, je suis fier de moi. J'arrive sur les 40 ans et j'ai trois véhicules comme ça. Il y en a un pour toute la famille comme ça. Bien content, hein, fuck leur écologie là, et leurs normes là. Si on les écoute, on n'aura plus rien, plus de
de moto, plus de cycle, plus rien. Incroyable. Belle bête, hein, l'Aerox. Alors les mecs, vous croyez vraiment que vous alliez me voler comme ça, franchement? Ah, vous l'avez bien eu dans le cul, hein. En plus, le jugement, vous inquiétez pas, vous allez raquer, les gars. Vous allez raquer. Vous en êtes pris à moi et ma fille. Vous n'avez pas honte. Ah, on vous a mis la gras. Vous êtes rentré chez vous, là. Là-bas, qui sont arrivés, bim. Allez, hop, on récupère le scooter. Bon, il y a eu un mois de réparation, mais vraiment, top. Top, le réparateur, top. Il m'a tout mis dedans. On va peut-être demander à mon acolyte de l'essayer si vous voulez. Voilà, le fiston, il est content d'avoir récupéré cette bête. Ses premiers tours de circuit là pour lui. C'est un peu lourd pour lui, hein. Allez, allez, on y va. Faut de la force dans les bras. Et puis bah sinon moi tout content de ma amie. Toujours au top. C'est génial comme véhicule. Avec mes superbes stickers. Falloir faire les cours de BSR là. C'est pas très très à l'aise encore, ça se voit. Puis il est petit pour lui, hein. Oh là là. Ça reste un nain. Regardez-moi ça. Suspension, hein. Bon. On va se faire des belles balades là, hein. Quand on y pense maintenant que ça devient un véhicule de collection, ça, c'est incroyable. Pas moins de 3000. Génial. Allez, mets la béquille. Donc vous vous souvenez, la petite amie qui est arrivée il y a peut-être 5 mois déjà, ça passe vite. On suit à combien là de kilomètres? Peut-être 2000, hein, je pense. Oh, un petit peu plus quand même. Ouais, 1007. Allez hop, électrique, sans permis, ça mange pas de pain, c'est parfait. Pour l'instant, aucun souci, vraiment, je suis heureux comme tout. Spacieux, avoir un enfant avec soi, c'est parfait. Allez, il faut de la force, hein. Allez, allez. Et ben voilà. Je vais essayer l'Aerox. Je
essayé ou pas? Cabrage incroyable. En fait, comparé à un slider, on peut carrément faire des super virages avec. Comme une moto. C'est plus dur à lever quand même. C'est pas mal. Hein. En plus, pour un 4 temps, on a quand même la pêche avec ça. J'avais peur qu'on n'ait pas d'accélération, mais en fait, ça va, on a quand même de l'accélération. Là, je me tâte à le débrider ou pas. Parce que, on dit qu'en débridant, ça use un peu plus le véhicule, donc on verra si on s'y met ou pas. Après, franchement, rouler à 60 ou 70, ça me dit rien. Hein. 50, ça me va. Hein. Non, je pense que c'est bon. Hein. On va pas l'user, on va laisser OG, comme on dit. Et puis, ces véhicules, ils vont prendre une petite valeur. Une belle petite collection quoi. Bon je suis content de vous avoir remontré le slider. Malheureusement il manque les énormes stickers comme vous savez. Ils ont tout arraché. Ils étaient prêts à le repeindre. Sûrement à l'emmener très très loin de chez lui. Mais voilà. Vous l'avez eu dans le cul les gars. Vous l'aurez pas volé. Et je suis bien content. Oh là là, la fourche toute neuve, magnifique. Wow. Oh là là. Ah, c'est vraiment un des plus beaux que je connaisse en scooter. Plus le naked là, avec ça là. Cette façade là. C'est magnifique. Un petit peu de saleté, il faudra que je le lave. De la colle là. Nickel, franchement super content. Bon, je pense avoir fait le tour du scooter. Après, ouais, il y a peut-être le pot que j'aimerais bien récupérer. Là, il a un petit peu nettoyé ici, ça a l'air d'être pas mal, mais bon, après, un pot ça reste, ça s'use comme ça, hein, ça rouille. Ça, il faudrait peut-être que je le change un jour, on verra. Là, je vous avais dit 13 000 km. Voilà. Il a bien roulé, ce petit BMW. Ce petit Biwiz. Il a bien roulé. C'est nickel. Ça tient la route, ça. C'est la bombe. Et puis, le nouveau qui est arrivé. Magnifique. Il a une dégaine incroyable. J'avoue que tout le monde se retourne devant. Ou derrière. Tout le monde le regarde. Hein. C'est magnifique. Pareil pour la AMI. Ça passe pas inaperçu. Tout le monde passe devant. Prend une photo. Reste Keblo 5 minutes. C'est très 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 joli comme véhicule. Franchement, super content. Bon, je suis resté assez longtemps pour vous là. Bon, sinon j'ai commencé un petit peu à rayer et à manger les trottoirs là. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Voilà, c'est petit et pourtant c'est rapide. Voilà, c'est vraiment la vibe là, qui a le plus de classe.
Mais j'ai encore ce BW, je suis content. Ah, moi! Il est de retour. Mon beau Yamaha Slider. Qu'est-ce que je suis content. Ah, je suis content de le retrouver. C'est ça, hein, 2016 ou 2017, je l'ai acheté. Je m'en souviens même plus. Oh là là. N'hésitera pas à refaire des vlogs sur l'ami. Hein. Bon, là, il n'y a plus trop de concepts à faire, mais on n'est pas à l'abri d'une panne ou de quoi que ce soit. Hein, même si il n'y a rien eu pour l'instant, on ne sait jamais. Et puis cet hiver, ça va être différent, il va faire froid, tout ça, on va voir un peu comment faire. Au niveau de la pluie, ça va, j'ai pas trop de problèmes. Pas trop d'infiltration finalement. Je suis plutôt content. Donc on verra un peu ce qui se passe en hiver, s'il y a d'autres soucis. Et puis on fera d'autres vlogs. Voilà. Bah, merci d'être venu. Et on va ranger tout ça au garage. Et en prendre soin. Les enfants aussi. Sinon, pompon cucu. Allez, à très vite.